Bonjour à tous. Je suis triste aujourd'hui. Je me réveille déjà, j'ai la tête qui tourne, genre. Pourquoi, je ne sais pas. En fait, il y a trop d'humidité dans cette chambre. Vraiment, ça me... J'aime pas. Bref. Et en plus, du coup, j'allume ma caméra pour filmer. J'ai un problème avec ma caméra. Mais c'est pas grave, un problème, une solution. Mon iPhone, heureusement qu'il a une belle qualité et heureusement que j'ai un bon micro. Donc ça va être filmé à l'iPhone aujourd'hui. Vous me direz s'il y a une grosse différence d'ailleurs. Nouvelle vidéo. ChatGPT va décider de ce que je mange aujourd'hui. J'utilise pas trop ChatGPT, je sais que les intelligences artificielles aujourd'hui prennent une grosse place dans ce monde. Pas hyper fan de l'intelligence artificielle, je trouve que c'est normal, il y a de l'évolution, etc. Mais un peu peur que ça remplace certains humains, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ce qui me reste dans mon placard aujourd'hui et il a intérêt à me trouver des recettes de ouf. Hein. Parce que vous savez que moi, j'ai pas forcément trop d'imagination, donc si ChatGPT peut décider pour moi, c'est parti. Je me prends un petit shot de soleil pour la bonne humeur. Ok, les énergies. Bonjour ChatGPT. Je ne sais pas quoi manger. J'ai besoin de tes idées. J'ai des flocons d'avoine. La base. Du lait d'amande. Des bananes. Du skyr. Et du café. Oh, aïe, aïe, aïe. Comment je suis trop contente. Mais c'est facile. Enfin, c'est normal qu'elle aille me dire ça. Hier, j'ai regardé une vidéo d'Andy Ella où elle mangeait un porridge. Et du coup, ça m'a trop donné envie de manger du porridge. Ah, il y a plein de choix, hein. Mais je crois que je vais partir sur un porridge parce que j'ai très faim. Toast skyr banane. Café avec une touche de lait d'amande. Je t'aime, ChatGPT, je t'aime. Super, merci, je t'aime. Ah, il ne dit pas qu'il m'aime. Ça se fait pas. Pourquoi tu dis pas que tu m'aimes? Le porridge beurre d'amande avec des bananes. Est-ce que ça me change de d'habitude? Pas trop, j'avoue. J'ai pas pris trop de risques là. Après, porridge, j'en mange quasi jamais. Bon appétit à moi. Je vais prendre le soleil. C'est super bon. Le beurre d'amande, si vous connaissez pas. Et j'ai mon petit café au lait. Il me connaît bien, ChatGPT, disons. Ça. Oui, ouais. Comment ça fait plaisir, il fait bon, il fait beau. Moi je vous jure, je crois que mon mood c'est vraiment en fonction du temps. Parce que la semaine dernière, alors déjà j'étais malade, mais la semaine dernière malade, en plus genre il pleuvait à torrent. Moi ça me va pas du tout ça, ça ne va pas du tout les amis. Je vais aller au sport et là je vais rattraper Soso. En fait avec Solène, pour le sport on se partage la carte. Oh bah elle est là, elle est au bout de la street. Attendez, j'arrive. Ils font un abonnement où tu peux partager ta carte avec une personne. Là j'avoue je suis un peu fatiguée aujourd'hui, enfin je sais pas, j'ai un peu la tête qui tourne et tout. Donc je vais faire une petite séance, je pense que je vais rester juste 45 minutes à la salle. Et après je vais rentrer manger, je trouve vraiment un truc rapide à faire parce qu'après on va aller essayer des robes de princesse parce que j'ai un mariage en octobre. Donc je vais vous montrer ça, oui oui oui, vous allez me voir en mode papa pi papa Jillo c'est moi. Franchement, petite séance, ça fait du bien. Du coup, là, je vais aller faire des petites courses, acheter des légumes parce que j'ai plus grand-chose. Fait beau, on aime ça, on aime ça. Et j'ai mal au corps, aïe aïe aïe. Je vais ici, voilà. Première des courses, faut que je vous fasse un haul course parce que là, c'est incroyable. Des kiwis. Il y avait une promotion sur les cerises. Deux paquets de cerises. Il est où? Ouais, le plastique, par contre, c'est hardcore. J'ai acheté ça. Des nuggets VG. Des champignons. Deux avocats. Comme d'hab. Ma vie. J'ai acheté de la harissa. Ma vie entière. Du tofu. Trois boîtes de thon. Du maïs. Encore du plastique. Désolé, fermez les yeux. Brocoli. J'adore brocoli en ce moment, c'est ma vie. Hein. J'aime trop ça. Ah ouais. Franchement, 35$, t'en penses quoi, Emma? Donc c'est très étrange. Il a oublié des trucs, le gars, c'est pas possible. Ok, ok, ok. ChatGPT, il me propose un truc qui m'a l'air très intéressant et que je pense que je vais faire. Alors, j'ai eu plus de 10 recettes avec ce qui me restait dans le frigo. Hein.
c'est quand même pas mal. Donc on a des currys de lentilles corail, des pâtes au thon à la sauce tomate, des omelettes aux légumes, des poivrons farcis, salade de riz thon, wrap au thon et légumes, wrap aux œufs brouillés et légumes, wrap au curry de lentilles de corail. T'as des trucs, mais what the fuck. Et il y en a un, c'est wrap végétarien avec du skyr. Donc wrap, skyr, poivron, courgette, oignon, ail, épices, curry, paprika, sel, poivre, herbes fraîches. Si tu en as, il y a écrit entre parenthèses. J'ai envie de tenter ça. C'est parti, mon kiki. J'ai trop le seum. Pourquoi j'ai le seum? Parce que... Attendez, je regarde si ça filme. Vous savez, c'est un peu le genre de journée où c'est pas ta journée, genre. Tu fais piquer genre au moins 3 fois là dans le dos. En plus, mal cadré, parce que j'ai pas de retour écran, donc je peux pas voir si je cadre bien. Vous aurez pas ma première réaction, c'est trop chiant. Si je vais vous mettre ma première réaction quand même. Et donc, vu que j'ai la dalle, bah je me refais hein, pour redéguster avec vous en fait. Franchement, je me réveille, ma caméra, ça marche pas. Ensuite, j'ai la tête qui tourne. Ensuite, je me fais piquer par des moustiques. Ensuite, je cadre mal. Non, mais c'est quand même une grosse dingue. Oh là là, mais faites-le, je vous en supplie. Ce qui prend le plus de temps, c'est de couper les légumes. Et la cuisson. Mais c'est tout. Quelle dinguerie, quelle dinguerie. Miam. Oh, il est posé dans le club, le chat. Non, hein. Est-ce que vous êtes prêts à venir avec moi tester des robes? Le fail. Le fail. Je rejoins Soso et Nana parce qu'ils vont être juges de ma robe, de ma future robe. On dirait que je vais me marier. Hein. On n'habite pas très loin. Et du coup, à chaque fois, on se retrouve au corner de la street. Attention. Wow. Pour les robes de mariée, de mariage. Qui me demande en mariage là, parce que c'est le moment là. Merci. Oh là là, Sarah va voir ça, mais oh là là. Ça y est, elle a son make-up. Pour les robes, j'ai trouvé mon modèle, ça y est, je sais ce que je veux. Je sais. Et là, j'ai fait une entorse à ChatGPT. Quoi? T'as encore triché? Mais oui, mais c'est pas de ma faute. Regardez ces merveilleux fondants au chocolat qui coulent. Ça fond dans la bouche, c'est incroyable. C'est une explosion de saveur, je ne pouvais pas résister. Je m'envole tellement que c'est bon. Naël a ressenti cette explosion de saveur. Solène a préféré rester sur une bière pêche. Très délicieuse. Repas du soir, bonsoir. Ce soir, j'ai besoin d'une recette. Il me dit, c'est super, je suis prêt à te donner une recette. Donc, il me reste champignons, avocats, courgettes, poivrons, brocoli, œufs, riz... pâte. Alors là, je vais faire une recette. C'est riz sauté aux légumes, mais. Moi, vu que là, j'ai du couscous déjà cuit et déjà froid, parce que là, ils disent qu'il faut que le riz soit froid. Et là, vu que j'ai trop la dalle, je pense que je vais réutiliser ce que j'ai dans mon frigo, mais je vais mettre tous les autres ingrédients. On va pas le sauter. Mais si. Et le couscous. Bah, je le saute. Bah, je fais comme avec du quinoa ou du riz, ouais. Quoi. Ça va être sympa. Sauce soja, paprika, tout ça, tout ça. On dirait un peu de la bouillie quand même. Elle mange de la pizza, elle est trop bonne. Tu peux goûter? Ouais. On dirait du couscous. Bon, c'est du couscous, mais couscous légumes. On va dire non, comme d'habitude. Bah, c'est de la semoule quoi, mais. Mais excuse-moi, mais en même temps, elle a. Non, mais attends, elle? Oh, elle a pris que la semoule, t'as même pas pris les légumes avec? Si, j'ai fait un poivre. Hein. En vrai, on sent beaucoup le poivron. Mmh, c'est trop bon. Tu veux goûter, Max?
Allez. Allez. Ok, je fais la transition. Avec couscous, mais les champignons, c'est un peu bizarre du coup. Mais c'est bon. Là, tu mets des boulettes. Oh. Super gaz. Des falafels. Et mes tirs GPT, il m'a régalé. Là, c'est bon. En fait, j'ai fait que des trucs que je fais pas d'habitude. Et HelloFresh, en fait, c'est quand t'as pas d'idée de recette. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai GPT. Bah, HelloFresh, c'est fini pour vous, là. Attention, parce que si tu veux une... si je veux une collab, là, je suis morte. Ouais, je te jure, Mon cheveu, ça me dégoûte. Mais moi, un jour, j'ai vu des pancakes qui me disent... Mais du coup, j'ai arrêté. Parce que là, c'est... Est-ce que ça vous a plu? Moi, beaucoup. Franchement, je me suis régalée. Ça m'a donné plein d'idées. Mais en fait, c'est ça, je pense que je cherche pas assez des recettes, etc. Et en fait, c'est des trucs hyper simples. Parce que c'est vrai que je vais demander des trucs simples. Ça m'a pris, franchement, en tout, combien de temps? 20 minutes. Plus rapide que les recettes Insta que j'avais fait, genre soi-disant rapide. C'est un délice. Vraiment, je vous conseille. Hein. Faites-le. Hein. Ça donne trop... Mimo, elle m'a dit en plus aujourd'hui. Moi, je fais des trucs chat GPT là. Pour des recettes healthy. Ah ouais? Donc en vrai, il y en a plein qui le font, je pense. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très 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 gros bisous. Plein de love. Cœur.